Eh bien, salut les potes, c'est Knowiz. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du mode Cam, non Pixel Cam, excusez-moi. Donc, c'est un mode qui permet de faire des cinématiques dans Minecraft vraiment fluides. Que dire de plus? Bah, c'est très simple à utiliser. Sinon, je tiens à m'excuser pour les dernières vidéos, on entendait mes clics de souris, mon clavier, tout ça. Même moi, ça m'écœurait d'entendre ça sur mes vidéos. J'ai trouvé le moyen de. J'ai réglé le problème, donc normalement, vous aurez plus de problèmes sur mes vidéos. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on va commencer. Donc c'est un mode très simple à utiliser. Donc déjà il faut mettre les points où vous voulez que la caméra passe. Donc vous pouvez faire slash cam. Vous voyez j'avais déjà essayé avant mais j'avais mis en Quake Pro et puis je sais que le Quake Pro ça plaît pas à tout le monde. Donc j'ai refait tout, voilà je commence parce que voilà courage tout ça. Donc cam, non je me suis trompé, c'est pas cam start, excusez-moi, c'est cam. Point. Non, P tout simplement, cam P, voilà. Ça met un point, sauf que moi je veux pas le point 7 là. On va faire cam clear. Excusez-moi les gens. Hop, voilà. Donc là il n'y a plus rien, donc on va refaire. Donc là, cam clear c'est pour supprimer, on y reviendra un peu plus tard. Alors slash cam P. Donc là ça ajoute un point. Sinon, ce que vous pouvez faire, par exemple, on va se mettre ici, c'est d'appuyer sur P, directement à la touche P de votre clavier pour mettre les points. Donc petit raccourci de clavier sympathique. Voilà, on va faire un petit truc joli. Hop. P. P. Donc voilà, ce mode est et bien si vous voulez faire des cinématiques pour votre serveur ou des petites choses comme ça. Donc on va se mettre genre ici, paf. Voilà, on fait un petit truc joli. J'ai repris la map du. Comment ça s'appelle du instant block mode de l'épisode 3. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir. Hein, je vous conseille d'aller le voir. Toujours ça, c'est un mode qui pourrait vous intéresser aussi si vous l'avez toujours pas vu. Hop, donc voilà, on a fait les 10 points. Maintenant, il faut faire slash cam start. Et le nombre de minutes, de secondes que vous voulez. Donc on va mettre genre une minute. Voilà pour tout faire. Et donc là ça va lancer. Donc là hop, je suis à rien. Ça se fait tout seul. Incroyable. Mais c'est pas beau quand même. Avec les shaders ça rend quand même vachement bien. Donc pour présentation. Pour tout ce qui est serveur, tout ça, c'est vraiment, je vous conseille. Je rentre dans la pierre. Ça rend pas du tout beau là, par contre, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ça met Traveling Finished, donc avec mon bon accent anglais ça signifie que bah voilà le schéma a été fait, enfin schéma, je dis ça schéma c'est pas du tout un schéma mais le chemin a été fait, voilà. Traveling Started, voilà, ça met que je me suis téléporté pour le début, donc on va mettre le jour aussi. Donc pour ceux qui savent pas comment mettre le jour, ça c'est time set 0, mais sauf que là il me prend non, parce que je me suis trompé, hop voilà. Donc voilà, ça met le jour, voilà. Tuto 2 en 1, d'apprendre les commandes de base de Minecraft. Donc aussi, autre petite chose pour supprimer... ah bah non, attendez. Je vais voir si ça fonctionne cette fois. Slash cam. Goto. Gota, goto. Et on va mettre le point. Donc 3. Voilà. Incroyable, ça fonctionne. Tout à l'heure, ça fonctionnait pas. Donc là, ça téléporte au point que l'on veut. Donc 4 par exemple. Hop. Ça nous le téléporte au point. Donc on va aller au point 1, voilà, donc ça permet d'aller plus vite. Et on va faire slash cam clear, parce que je vais vous montrer encore quelques petites choses qu'on peut faire avec le mode. Donc voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus, on peut faire slash cam start, attends, hop. Il n'y a plus rien, ils mettent qu'on a pu, il faut au moins 2 points pour lancer le truc. Donc je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre qui est assez sympathique.
Donc on va faire un truc, hop, point. Donc là on va aller un peu plus vite quand même. Et hop, là on peut faire pencher la caméra. Donc appuyez sur J pour pencher vers la gauche. Hop, vous pouvez mettre votre point comme ça. Hop, K pour revenir, pour recentrer. Et L pour pencher vers la droite. Donc voilà. Donc point. Et genre on va se remettre ici. K. Paf. Et on va terminer le point. On va mettre un point ici. Voilà. Donc 4 points. On va faire slash cap start. On va mettre, je sais pas, 30 secondes. On n'a pas besoin de trop longtemps. Il faut mettre secondes. Il faut mettre les petites secondes. Voilà. Donc là par contre je vais pas passer sous le truc. Donc ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi. Hop. Donc voilà, ça penche vers la gauche quand on appuie sur J. Ça penche vers la droite quand on appuie sur L. Et pour recentrer la caméra, c'est K. Donc voilà pour le mode. En fait, je crois qu'avec ça à montrer, normalement il n'y a pas grand chose. Donc, par exemple, pour être sûr, on va faire slash cam. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Bon, on a fait le tour, on a fait le tour. Donc, on va se placer à un endroit plutôt joli. On va se mettre là par exemple. Hop. Et on va se dire au revoir ici. Sur cette. Sur ce magnifique bâtiment, ce magnifique amphithéâtre. Pour ceux qui ont un peu de culture, ça se trouve, je dis ça, je dis de la merde. Je sais même pas si c'est vraiment un amphi. Si. Au pire, on s'en fout. On s'en bat les steaks. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge. Va voir mes précédentes vidéos, notamment celle sur cette map Instant Block. Je fais aussi du Heroes of the Storm. Je fais des traps avec les potes. Je fais du Skyblock. Donc allez kiffer, hop on va se tourner, voilà. Ok d'accord, ça veut pas. Les shaders qui fait un peu planter le F5. Très bien. Donc en fait on a. Bon bref, on s'en fout. Voilà. On dirait que tu es sur un nuage. Un nuage, un beau nuage. Donc voilà. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Dis-moi ce qui t'a. Si ça t'a plu déjà, notamment. Mets-moi un petit pouce vert si t'as la flemme d'écrire un commentaire tout court. Et puis à la prochaine pour une prochaine présentation. Allez, des bisous.